à tous mes frères et sœurs qui ont félicité le Premier ministre pour la vision et la richesse de son programme. Un document aussi dense, aussi profond, mérite qu'on le lise deux, trois fois avant d'en donner un avis raisonnable. Donc, nous aurons le temps pour étudier cela. Ce que je voudrais dire, je me permettrai quand même d'attirer son attention sur le fait que j'ai appartenu à la première législature de cette Assemblée et qu'à notre époque, un document semblable nous avait été proposé. Guinée Vision 2010. Il était aussi dense, aussi riche. Mais il n'y a pas eu de suivi de ce document. Je préfère le rappeler pour dire de faire attention. Ensuite, vous me permettrez, lorsque je lis votre document, un petit chapitre m'a particulièrement impressionné. Vous permettrez de le dire. Toute nation qui aspire à l'émergence doit privilégier la construction d'une administration publique moderne, neutre, apolitique, professionnelle, intègre, impartiale et efficace, qui promeut l'excellence et le mérite au service du citoyen et du développement. Ce petit chapitre résume en gros la plupart des mots dont souffre notre pays. Mais lorsqu'on le lit, on sait que la réalisation de cette ambition n'est possible que lorsque nous disposons des ressources humaines de qualité. Des ressources humaines. Sinon, ce n'est pas possible. Ce que je demande au ministre, quand on parle de ressources humaines, on parle du système éducatif dans lequel nous évoluons. J'ai dit que notre système éducatif actuel mérite une profonde réforme. Je ne l'ai pas senti dans ce document. J'ai vu les réalisations de nombre de classes à augmenter extra, mais le problème fondamental n'est pas ce niveau. On a un système éducatif absolument laïque qu'il faut profondément réformer si nous voulons nous mettre au diapason du monde moderne. Je pense que je peux retrouver dans le document cette idée de réforme du système éducatif. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je suis dans la commission éducation. Nous aurons l'occasion de développer cet esprit-là au niveau de notre commission. Je voudrais donc dire à M. le Premier ministre que vraiment je suis très très content de son exposé et je lui souhaite bonne route pour qu'il réalise le maximum des ambitions évoquées. Merci beaucoup.